Alors, on a un deuxième prix or. Donc, pour remettre le deuxième prix, j'ai le plaisir d'accueillir un autre membre du jury, Véronique Dubois, directrice de la communication de l'APEC. Bienvenue. Alors, l'enveloppe. Voilà. Ah, c'est mieux qu'une enveloppe. Alors, nous sommes impatients de découvrir à qui revient ce prix. Alors, le deuxième prix or est décerné à Proudfoot et Eramet pour Eramet Production System. Merci Véronique. Nous accueillons donc Angus McLean, DG France et partenaire de Proudfoot, et Denis Alvarenga, directeur transformation expérience opérationnelle du groupe Eramet. Alors, Véronique, dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à récompenser ce projet ? Alors, parmi tous les projets sélectionnés, c'est vrai que ça a été difficile, mais Eramet, c'était vraiment un exemple d'une belle réussite dans une organisation complexe, internationale évidemment. C'est la mise en place de ce nouveau process, vraiment un nouveau système de production avec des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de travailler. Vous nous avez montré qu'il y avait des résultats très probants, puisqu'il y avait des gains de productivité et de performance mesurés dans un temps relativement court, finalement. Donc, on a senti aussi une belle collaboration entre votre cabinet et la direction d'Eramet. En tout cas, votre présentation à l'oral était très, très, très challenging, j'allais dire. Était très, en tout cas, efficace. Donc, voilà pourquoi, et bravo encore. Merci. Je vais demander à Angus et Denis de me dire un mot sur ce prix. Voilà. Comment est-ce que vous avez été transformé en quelque sorte ? Question difficile. Je dirais, Eramet, c'est vraiment le premier minier français. Maintenant, c'est une entreprise qui a vraiment tout pour la transition. Électronique, énergétique, digital, environnement, tout est là-dedans. Donc c'était très intéressant pour ça. Et donc, comme nous, on a travaillé beaucoup dans le secteur minier mondial, avec les top 10, on a traduit ça pour les remettre. Et donc maintenant, je pense qu'ils ont le meilleur système de production mondial au niveau minier. Carrément. Donc Denis, vous êtes d'accord, vous avez le meilleur système. Je suis 100% d'accord. Cet système a vraiment nous aidé à battre des records de productivité et avec zéro investissement. Ce qu'on a fait, c'est de changer la culture opérationnelle de nos collaborateurs, surtout au Gabon. Et je donne 100% de crédit à nos collaborateurs gabonais qui font les matières qu'on, depuis après, on transforme dans les métaux pour la transformation énergétique du monde. Et Eramet, c'est un acteur majeur dans cette transformation à échelle mondiale. Très bien. Eh bien, merci. On vous applaudit à nouveau et on vous invite à aller prendre la photo. La photo.